Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto pour devenir un ingestion.com. On va parler de mastering et plus précisément de stem mastering. J'ai repris une ancienne session, Time to Talk, Master, STEM Master que j'ai faite pour une artiste australienne Skyuka. Je vais vous montrer un peu la manière dont j'ai procédé, la manière dont j'ai appréhendé euh, cette session. J'ai sorti deux types de master. Vous le voyez actuellement à l'écran, la version master Mastering for iTunes et une version, euh, j'allais dire entre guillemets euh, normale, d'accord, plus destinée euh, au CD. Si on regarde, j'ai eu que 1, 2, 3, 4, 5 stems. D'accord lors du stem mastering, on peut aller jusqu'à 8 stems maximum. Pourquoi Parce que du coup, bah, on en a déjà un peu parlé dans, dans, dans l'interview que j'ai eue avec Nicolas. Bah, le problème, c'est qu'après, on dérive vers du stem mixing. Et là, c'est plus du tout le même, euh, c'est plus du tout le même travail. J'ai reçu un stem de kick, j'ai reçu un stem de basse, j'ai reçu un stem de synthé, de voice et de back voice. Dans le stem de kick, j'ai aussi certains éléments de la drum. Alors, vous allez dire, c'est bizarre, la dernière fois, tu nous as dit kick et drum séparés. Oui, mais là, pour le coup, euh, le mixeur, déjà, c'est un mixeur que je connais très bien, mixeur euh, australien, et qui, euh, et qui sait ce que je veux, qui sait ce que je demande. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Si vous avez des doutes sur le mixeur, c'est sûr qu'il vaut mieux prendre un stem de kick et un stem de, du reste de la drum séparé. Alors, si je prends un peu le process par... Euh, par stem. Vous allez dire tiens, il commence VTM Virtual Tape Machine et derrière un VMR avec une console. Alors la question c'est pourquoi Pourquoi on va prendre un VTM, c'est-à-dire un simulateur de bande et qu'on va faire passer ça dans un VMR, c'est-à-dire un virtual channel notamment pour simulateur de console. Tout simplement parce que je sais que les stems sont issus d'un mix in the box. Qui dit mix in the box dit manque un peu de, de côté organique du son. Si ça manque un peu de côté organique, qu'est-ce que je fais Je vais tout simplement essayer de recréer ce côté organique. Alors, je le prends bien sûr dans l'ordre où il doit être fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais normalement, il n'y a pas de règle, etc. Je vous dis oui, mais analogiquement parlant, quand on travaillait sur bande, on partait du magnéto à bande multipiste sur lequel on avait fait les recs. On envoyait le signal à la console et c'est une fois qu'on arrivait dans la console qu'on attrapait le, le tout-track. Et bien là, qu'est-ce que je fais Tout simplement, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai le VTM, donc la source, mon simulateur de bande, et ici, mon VMR. Après, bien sûr, ben c'est le, le choix de la console. Hein. Après, c'est comme dans beaucoup de, de simulateurs de console. Vous avez du 4000, vous avez du 4000 EG euh, d'ailleurs ici, euh, vous avez de l'API, vous avez du NIF, de la trident, voilà, bon, vous avez tout un tas de choix. Après, ça n'est que des choix euh, purement euh, artistiques par rapport à votre manière de faire. Donc, lorsque, euh, lorsque je commence, je mets un VMR et un VTM, vous le voyez ici, sur chaque STEM. Ce qui me ramène, j'allais dire, ce côté légèrement organique. On avait à l'époque avec bah, tout simplement un, euh, un magnéto à bande et, euh, et une console d'accord alors vous allez dire ouais bah alors est-ce qu'on est dans le mixage non on n'est pas dans le mixage c'est juste je prends l'information stem mastering ok fait in the box ok je vais garder je vais ramener plutôt le côté organique du truc derrière bah, qu'est ce que j'ai j'ai mis là pour le coup un bx v3 d'accord donc de chez plugin alliance donc J'allais dire plugin d'EQ que je trouve relativement performant. Alors vous allez me dire, ouais, bon, bah, il fait de l'équalisation, jusque-là, tout va bien. Oui, mais on a aussi quelque chose que j'aime beaucoup en termes de fonctionnalité qui est euh, la fonction Monomaker. La fonction Monomaker, elle va me permettre de monoïser, si je peux créer un verbe euh, à partir d'un mot euh, qui n'en est pas un à la base, monoïser, en gros, le signal en dessous de la fréquence que vous voyez ici. Vous voyez, là, je suis sur le stem de drum. En dessous de 300 Hz, j'ai monoïsé, monoméqué, pour reprendre le terme, le signal. D'accord Ce qui veut dire que tout ce qui est en dessous de cette fréquence doit impérativement se retrouver au centre. D'accord Donc, ça, j'en ai sur tous, les, euh, sur tous les stems. Donc, si je prends le stem de basse, donc je vais aller chercher bah, tout simplement le stem de basse cette fois. Donc, et je vais avoir, pareil, un EQ. Certes différents, vous voyez que là j'ai utilisé uniquement passe haut, passe bas. Ce qui veut dire que je ne suis pas rentré, je n'ai pas recompressionné, je n'ai pas fait tout un tas de choses. Non, j'ai juste redéterminé entre guillemets la bande passante. Sous-entendu, il y avait des fréquences qui me paraissaient euh, non utiles à rester dans le euh, dans le master, je les ai enlevées. Et ainsi de suite, j'allais dire, vous voyez, le, la, le, le schéma par stem est toujours le même VTM, VMR, les Q. VTM, VMR, les Q avec des EQ plus ou moins, j'allais dire, quand je dis complexe, c'est certains comme la basse uniquement avec passe-au-passe-bas, d'autres avec des corrections qui me semblaient nécessaires par rapport tout simplement à quoi bah, À une écoute que j'ai, Voilà, il y a des choses qui me dérangent, il y a des choses que je trouve euh, trop présentes, une pression acoustique trop présente dans le bas-médium, dans le haut-médium, dans le, dans le haut et voilà, j'allège légèrement dans les zones qui me paraissent euh, être trop chargées en termes de, tout simplement, en termes de pression acoustique. Alors, tout ça, si vous voyez bien ici, ça sort par une sortie individuelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi Parce que ces stems-là sont rebasculés sur le sommateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord Et 9, 10 ici. Pour ce titre-là, c'est cet agencement-là. Après, je peux très bien me retrouver avec des titres où je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et puis prendre 9, 10, 11, 12 et peut-être 17, 18. Là, ce serait le cas où je veux éventuellement utiliser des compresseurs sur les sous-groupes. Pour ce titre-là, ce n'est pas le cas. Tout ce qui arrive en 2, 1, 2 à 9, 10 passe bien sûr par ces deux sous-groupes, mais qui sont vierges. Il n'y a pas de traitement, d'accord Et sont envoyés très logiquement au master. Ce master-là, qui lui par contre a en insert. De ce point-là, la paire, on en avait parlé dans la vidéo euh, de l'interview, la paire de 22, 64. Alors attention, si je vous mets play, la paire de 22, 64, on n'écrase pas le signal, attention, c'est... Vous voyez On frétille, comme je dis moi. On ne commence, commence pas à envoyer. Du, euh, du 4 de GR, on commence pas à envoyer du 5 de GR, c'est pas ça qu'on cherche. Là, en gros, je recrée la chaîne qu'aurait pu avoir le mixeur s'il avait mixé dans un studio traditionnel avec le sommateur ici, avec les différentes entrées et en sortie de sommateur une paire de 22-64. Donc, pour l'instant, j'irais presque dire que le travail de mastering lui-même n'a presque pas commencé en fait. C'est-à-dire que je recrée Uniquement ce qui manquait chez le mixeur et qu'on peut retrouver chez beaucoup de mixeurs actuels, de producteurs actuels qui mixent in the box, qui ont une pièce chez eux traitée, hein, bien sûr il n'y a pas de souci, mais qui euh, n'ont pas les outils sommateur, gros compresseur, etc. Et donc en gros là, avec le VTM, VMR, l'EQ, je traite, j'envoie dans le sommateur et en sortie de sommateur j'ai une paire de 22-64 de chez Heritage Audio. Donc là, en gros, oui, j'ai commencé la session de master, mais dans ma tête, le travail de master commence après. Et il commence où Au moment où je récupère dans cette piste-là, je vais récupérer dans cette piste verte, appelée mix, je vais tout simplement récupérer, et eh bah, ben, je vais récupérer quoi Je vais récupérer mon, mon signal qui a été envoyé par mes stems dans le sommateur, passé dans le 2264, qui a été récupéré après. Donc, Là, vraiment, pour moi, j'allais dire, entre guillemets, le travail de mastering commence. Si je vous fais, une petite t'écoute quand même un peu... Là, vous voyez bien que, bah, tout simplement, j'ai récupéré mes stems. Et donc, là, je commence mon travail, entre guillemets, vraiment de mastering. J'avais besoin pour ce titre-là, vous voyez que le, le kick est assez arrondi, assez assis dans le bas. Moi, je voulais vraiment aussi encore arrondir et encore asseoir ce kick, d'accord Pour le coup, je suis passé dans, bah vous le voyez ici, hein, puisque je suis sur du hardware insert, hein, donc c'est des... Euh, tout simplement des, 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 des machines que j'accroche à mes convertisseurs et qui font le même système que sur les consoles mais de manière numérique. Qu'est-ce qui se passe J'utilise le varimu. Pareil, ce varimu, je sais que je j'évite de rentrer trop fort dedans parce que le varimu, ce n'est pas un compresseur dans lequel il va falloir qu'on fasse les suglaces comme on dit. C'est-à-dire que, allez, je vais avoir un GR. Peut-être aller 2 GR, mais déjà quand je suis à 2 GR sur le, sur le Varimu, euh, je ne suis pas loin déjà du, du, du max. Alors bien sûr, hein, ça va jusqu'à 10, mais ce n'est pas parce que ça va jusqu'à 10 qu'il faut y aller. Ce ne sont pas des bécanes qui sont faites euh, pour euh, vraiment euh, avoir des gros gros GR. Là, je vais uniquement arrondir, surtout dans le bas du, de, dans le bas du spectre, gluer un peu cet ensemble, parce qu'on sait très bien que le, 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 le Varimu de chez Manley a cette grosse capacité de... Voilà, de, on passe dedans, on cadre, on cadre le signal, vraiment, c'est quelque chose d'assez magique dans le bon sens du terme. Attention, hein, ce n'est pas je fais n'importe quoi et ça marche. Non, c'est quand je sais m'en servir, ça glue, j'assois le titre, j'arrondis le bas du spectre. Mais par contre, il faut éviter, moi personnellement c'est ce que je vous conseille, il faut aller 1, entre 1 et 2, mais il ne faut pas monter au-dessus de 2. Quand vous êtes déjà au-dessus de 2... Ça commence à être, euh, comme je le dis, assez violent euh, en termes, pour moi, je trouve, de, de, de compression. Derrière, toujours dans ce souci d'assise du titre, toujours dans ce souci d'arrondir le titre, parce que, voilà, ça, il s'y prête, d'accord Ce n'est pas un titre qui est agressif, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment cool en termes de, euh, de, de, de musique, d'accord quand on, quand on écoute, on voit bien qu'il n'y a rien d'agressif. Je passe par quoi Ici, EQP1A, alors tout le monde connaît le modèle historique, ou hein, enfin, tout le monde ou pas, mais donc je vous le dis de, de chez euh, PoolTech Technologies. Là, moi, c'est euh, une réédition de chez Warm Audio qui, euh, qui marche relativement bien. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que tu as fait avec, le, avec cette paire de PoolTech bah, Tout simplement, on peut voir que le but était d'asseoir. J'ai fait tout simplement bah, un 30 Hz. A plus 2, d'accord, très léger, tout simplement parce que le but, pas de c'est pas d'alourdir et d'enterrer le titre. Le but est d'asseoir le titre. Et c'est un peu l'erreur qu'on peut retrouver dans certains euh, masters fait euh, homemade. C'est-à-dire que les gens confondent asseoir le titre et tout simplement euh, enterrer le titre. Là, le 30 Hertz à plus 2, je me retrouve à asseoir, d'accord, légèrement mon, euh, légèrement mon titre. Donc je renforce pour moi, dans ma tête, je renforce l'action du Varimu. Vous voyez, il y a une logique. Dans ma tête, j'essaye de me créer une logique pour dire j'ai arrondi, j'ai glué avec le Varimu. Avec un GR, deux GR, boum, je passe dans une paire DQP1A et je confirme cette direction-là. Alors attention, ça marche pour ce titre-là, mais euh, je pourrais très bien prendre un autre titre dans les mêmes conditions avec la même logique et que ça ne marche pas. Tout simplement parce que bah, l'EQP1A les va peut-être euh, justement enterrer, va peut-être trop euh, faire mollir le son. Et du coup, je vais me retrouver avec quelque chose qui, pardonnez-moi le terme, mais va être dégueulasse. D'accord Puisque ça va baver de partout, ça va vraiment déborder dans le bas du spectre. Et auquel cas, je vais me retrouver avec la même config qui marchait un jour, mais qui ne marche pas l'autre jour. Donc, il n'y a pas non plus de. Euh, Ce n'est pas des presets. C'est on écoute, j'ai une logique artistique. Euh, en tête par rapport à une direction artistique qui m'a été imposée par le producteur et par le, euh, le, le, le mixeur. Maintenant, j'utilise les outils au service de tout simplement au service de ce titre là. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai une compresse donc Varimud chez Manley. Donc, le Varimud c'est quand même réputé pour être plutôt. Euh, lent hein, en termes de, en termes de, de compression, hein, ce n'est pas non plus euh, ultra-violent, pas un enfin, 1176, d'accord Bon, alors un 1176 en mastering serait quand même un peu compliqué. Derrière l'EQP1A, d'accord Vous allez dire, ok, donc là, on, est, on était dans le domaine vraiment euh, analogique, VarimU et EQP1A. Euh, pour parler un peu des réglages du VarimU, bah, j'ai un recovery ici, pour l'instant, qui est quand même relativement euh, long. D'accord, puisqu'il est quand même à 4 secondes. D'accord, donc euh, je suis sur l'avant-dernier avant le slow. Hein, euh, euh, donc ça va de slow à fast. Alors ce qui est assez bizarre, entre guillemets, sur le varimu, mais il est fait comme ça, il est fait comme ça, hein, je ne vais pas réinventer la machine, euh, bah, c'est que c'est soit du très long, soit du euh, beaucoup plus court. Et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que si j'étais ici, par exemple, je serais directement à 8, alors que je suis sur le cran d'à côté. C'est-à-dire que j'ai soit 8, soit 4. Donc, vous allez me dire, ouais, bah, entre 8 et 4, c'est le double. Jusque-là, tout va bien. Ouais, mais entre être à 8 et être à 4, waouh, wow, c'est quand même assez différent. Et si je ne me trompe pas, ça fait 0,6, 0,4, 0,2. Pourquoi je dis si je ne me trompe pas Parce que bah, je n'ai pas la science infuse non plus, je ne retiens pas non plus forcément toujours toutes les valeurs. Mais vous voyez, je crois que c'est bien ça c'est 0,6, 0,4, 0,2, sous-entendu 200. Millisecondes, 400, 600 millisecondes. Boum, je passe de 600 à 4 secondes. Waouh L'écart, il est, il est quand même assez euh, violent. Tout relatif entre 12 guillemets. Il est quand même relativement violent. Donc, vous voyez que là, mon choix s'est porté sur euh, une release relativement ouverte, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire bah, 4 secondes relativement longues. En termes d'attaque, on sait que le Varimu est à peu près à, à 20-25 millisecondes au plus court et il est euh, sur je crois 70 millisecondes au plus long. On estime que quand on est à midi, c'est-à-dire à peu près par là, on est globalement euh, vers 50 millisecondes. Donc là, je suis un peu au-dessus de 50 millisecondes. D'accord Il faut bien faire attention quand on règle les compresseurs au niveau du mastering. Pour éviter quoi bah, Vous savez globalement ou on vous en a sûrement parlé. Si je mets une attaque longue et une release courte par exemple, ben, qu'est-ce que je vais faire Attaque longue, release courte, je vais euh, provoquer, je peux provoquer des effets de pompe sur le, sur le signal qui ne sont pas forcément ultra agréables, d'accord Hormis si vous voulez euh, avoir mal au cœur, mais globalement ce n'est pas ultra agréable. Donc vous voyez ici release ouverte et attaque, j'ai choisi moi ici une attaque assez ouverte, je vous dis un peu au-dessus de 50 millisecondes puisque 50 millisecondes, je serai sur, euh, sur midi, d'accord Après, bien sûr, bah, tout ce qui est input, output avec le threshold est fonction de ce que je veux aussi avoir et de ce que j'entends et de la manière dont la compression agit sur le mouvement global du signal. C'est-à-dire qu'après, je me fie à ce que j'entends, je me fie à, au ressenti que j'ai pour, affi pour euh, affiner le, euh, le threshold et ensuite tout ce qui est input et output par rapport bien sûr à un GR que, que je vois et surtout par rapport à un ressenti en termes de, euh, bah, de compression par rapport à la musique. Le but n'est pas de tasser, le but n'est pas d'écraser, le but n'est pas de modifier le mix. Le gars a passé une journée à mixer un titre, c'est pas pour que moi en, euh, en une heure quand je fais le stem mastering, c'est à peu près le temps que ça me prend, euh, on va dire en, en gros une heure, c'est pas pour euh, casser son travail. Donc le but est d'envelopper, de, de canaliser, de tenir, d'accord, le signal de manière relativement smooth dans ce cas-là, puisque j'ai pris un varimu, sinon je n'aurais pas pris le varimu, j'aurais éventuellement pris un, ici un, un impresseur si j'avais voulu quelque chose de, de plus dur. Donc le choix est fonction aussi de ce que je veux. Donc voilà un peu la, la réflexion que j'ai. Euh, quand, euh, quand j'aborde le, 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 le mastering du titre. Derrière, bien sûr, malheureusement, enfin malheureusement, moi personnellement, euh, je trouve ça malheureux, c'est d'être obligé de livrer des masters à des niveaux relativement importants, d'accord, malgré que ça soit au détriment de la dynamique et donc au détriment de la musicalité du, euh, du titre c'est euh, comme ça, c'est ainsi fait alors pas sur la version que vous avez là ici en face de vous qui est la version euh, MFIT hein, sous-entendu Mastered for iTunes mais sur la version qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus euh, forte vous voyez, si je vous mets voilà vous voyez déjà que ce c'est pas les mêmes niveaux. Pour cette version là, la version j'allais dire classique pour moi c'est à dire la 1644.1, celle que je, je mettrai éventuellement sur un, un CD, même si forcément elle atterrit pas aujourd'hui euh, obligatoirement sur un CD. J'ai mis une nouvelle compresse, cette fois en plug. Donc vous voyez que bah, j'utilise, j'allais dire, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire j'ai utilisé des plugs sur les stems, j'ai basculé dans le sommateur, meilleur de l'analogique, je suis passé dans une, euh, dans, dans une paire de, de 22.64 en en master de mon, euh, de mon sommateur, le meilleur de l'analogique. Je suis re-rentré dans. Bon, bah là, moi, le Pro Tools, mais après, vous prenez votre logiciel, euh, vous prenez votre dos euh, habituel. Je suis re-rentré en numérique, puisqu'il y a forcément euh, de euh, reconversion, et donc je suis rentré dans le domaine numérique. Et j'ai réutilisé après le meilleur de l'analogique, donc le Varimu. Une paire de euh, DQP1A pour continuer avec, quand je dis le meilleur du, du, du numérique, bah, des, des plugs très performants dans le, dans le numérique. Mais si vous remarquez, bah, je vais vous expliquer aussi un peu la, la manière dont j'ai eu d'utiliser de, de, cette, euh, cette compresse. Parce que la question que vous pouvez vous poser, c'est à quoi ça lui sert de prendre une compresse VARIMU qui est quand même très haut de gamme, qui marche très bien, et de repasser derrière dans un plug. Euh, même si l'Elysia euh, Alpha Pressor, c'est euh, un excellent plug. Parce que si vous voyez bien ici, j'ai activé le mode MS. Donc, je n'ai plus gauche-droite. J'ai mid-side. Mon Varimu, lui, ici, me faisait gauche-droite. L, R. J'ai fait le traitement que je devais faire sur mon LR. Maintenant, je m'attache à quoi Je m'attache tout simplement à faire un traitement dynamique sur la partie non plus LR mais mid-side. C'est-à-dire que ce mode-là va me découper, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, tous les éléments étant au centre et va les séparer des éléments étant sur les côtés. Mid et side, bien sûr, donc les côtés. Et donc là, qu'est-ce que je fais bah, J'ai une compression qui est adaptée non plus à un gauche-droite global, large bande, mais... Mid-side les éléments au centre et les éléments sur les côtés, et bien sûr, toujours large bande. Alors, après, là j'ai pris un large bande, mais je pourrais très bien aussi utiliser un système qui me permet de faire sur le MS du multiband. D'accord, vous avez notamment le, euh, le, le Mac DSP, d'accord, qui fait ça, euh, où vous construisez votre, votre multiband, d'accord, et après, donc vous l'appliquez soit sur le M, soit sur le S. Après, ça demande un peu plus de travail parce que du coup, ça demande un routing en interne dans le Pro Tools plus, euh, plus complexe. Mais euh, il faut garder en tête que c'est euh, possible. Et là, vous allez voir que je resserre certaines choses, notamment l'attaque. D'accord Au niveau de l'attaque, je suis à peu près aux alentours de 13 millisecondes. Voilà, 12-6 exactement. Là où j'étais ici euh, au-dessus de 50, hein, puisque à midi, j'étais à 50. Et par contre, j'ai réduit la release, puisqu'ici, j'étais à 4 secondes, et que là, je suis à peu près à 430, peut-être 500, je suis entre les deux là, voilà, 531 exactement, d'accord Donc, là où j'étais très ouvert sur le Varimu, et eh ben, j'ai réduit aussi bien l'attaque que la release. Alors, je ne l'ai pas réduit dans les mêmes proportions, hein, puisque si je passe de 50 et quelques à 13, ou si je passe de 4 secondes à euh, 0,5 euh, secondes, bah, Ce n'est pas le même ratio. Mais j'écoute les choses avec des ratios ici qui sont très faibles. 1,5, vous voyez, là on n'est pas en mode ouf, bûcheron du Canada, on est en mode cool. 1,5 de, euh, de, de ratio, c'est très, très cool. Donc là, on est juste là pour recadrer et pour arriver à tout simplement euh, agir, non plus sur un LR, mais sur un MS, d'accord avec quelque chose de relativement smooth, comme, euh, comme, moi je le, comme moi je le dis. Et du coup, ce qui me permet d'avoir une autre action sur le signal et sur la dynamique du signal. Vous, vous voyez Vous voyez quelque chose de qui n'agit que avec parcimonie C'est-à-dire que. Je ne suis pas sur une compression boum tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, vous voyez, un, 1, 1,5 de GR. 2, des fois pas sur certaines interventions. Sur le S, pratiquement pas. Je suis en dessous de 1 de GR, parce que pour que la lampe s'allume, il faudrait que j'ai 1 de GR au moins. Là, je suis en dessous de, de 1 de GR. Et donc là, où je veux en arriver, c'est qu'il vaut mieux compresser deux fois sur deux étages et de manière smooth. Entre guillemets, par exemple, 1 sur le var MU et 1 sur l'Alpha Pressor, plutôt que de compresser de 2 sur un seul compresseur. Personnellement, je. Donc ça, là, la parole n'engage que moi, mais il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Personnellement, ça écrase moins le signal de faire deux fois 1 un qu'une fois 2. Au final, ça fait le même GR, mais ce n'est pas la même action sur le, euh, sur le son. Donc personnellement, moi, j'aime bien compresser par étage et faire peu mais sur deux étages différents plutôt que beaucoup sur un seul étage. Autre avantage, c'est que le Varimu Manley, donc hard, et euh, l'Alpha Pressor, bah, tout simplement, il n'y a pas de mystère, ce n'est pas la même technologie. Ce n'est pas la même technologie. L'Alpha Pressor de chez Elisia, ce n'est pas un Varimu. D'accord Donc, technologie différente, action sur le son et donc sur la dynamique différente, donc mouvement organique différent. D'accord Donc, ce compresseur-là... Le Varimu, j'y reviens pour l'aspect large-bande gauche-droite. L'Alpha de chez Elysia, pour l'aspect large-bande aussi, mais MS. D'accord Derrière, bien sûr, même si pour le coup, là, il n'agit que très, très peu. Eh bien, je mets un limiteur pour protéger, euh, pour protéger ma sortie. Donc là, pour le coup, bah, qu'est-ce que je prends J'ai pris le Elixir de, euh, de chez Flux. Alors, ça marche euh, voilà, ça marche du tonnerre, il hein, pas faut pas se le cacher. Cocorico, c'est une marque euh, française, hein, Gaël de chez Flux, que je salue d'ailleurs, euh, que je salue d'ailleurs aussi pour son travail, parce que vraiment les plugs de chez Flux, c'est vraiment quelque chose de, de très 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 performant. Le but par contre n'est pas de rentrer comme un cochon, comme je dis dedans, hein, c'est pas, pas d'envoyer 4GR, de hein, mais c'est de protéger les pics, d'accord Dans la version MFIT, j'en ai presque même pas eu besoin. D'accord. Donc là, mon but est de rentrer très soft dedans, et puis selon la norme que je vais respecter, bah je vais tout simplement euh, sortir plus ou moins fort. Si je suis sur une version pure, on va dire CD classique, boum, faut sortir fort. Bah, je vais aller me coller au maximum de ce que je peux. Personnellement, moi je sors à -0,3 dB euh, FS tout simplement parce que lorsqu'on va appliquer le deering, bah, qu'est-ce qui va se passer euh, L'algorithme du est est en moyenne capable de rajouter 0,1 voire 0,2 dB au pic, ce qui veut dire que bah, même à 0,2, on est susceptible d'aller clipper dans le zéro. Euh, Donc, par sécurité, je mets 0,3 moins 0,3 parce que je sais qu'il euh, y a peu de chances que l'algorithme du euh, bah, tout simplement ajoute 0,3. Euh, là, c'est un peu la manière de voir. Après, bien sûr, pour la, le mastering, Master It for iTunes, bah, tout simplement, Là, je respecte la norme de l'AES. L'AES nous dit, lorsque c'est pour les plateformes de streaming, vous ne devez pas dépasser moins 1 dB tropique, TP. D'accord Alors, certains ne sont peut-être pas forcément familiers avec, euh, avec cette notion du tropique. Ce limiteur est un limiteur tropique. Il me permet d'être sûr de n'avoir aucun signal, aucun sample qui va dépasser le niveau de sortie que je vais lui imposer. Ce qui n'est pas forcément le cas des limiteurs tout court. Un limiteur de base avec un niveau de pic X ne vous protège pas de ce qu'on appelle les pics intersamples. D'accord S'il y a des pics intersamples qui dépassent le niveau, ça va pas aller. Donc, le fait d'utiliser un true pic, vrai niveau de crête, entre guillemets, eh ben, on va tout simplement bah, se protéger et dire je suis sûr que j'aurai uniquement moins 1 dB true pic sur mon signal. Donc, Là, le limiteur, il n'agit presque pas. C'est juste une sécurité au cas où un petit pic qui serait amené à passer au-dessus. Mais globalement, je n'ai pas d'accord, de pic au-dessus de là. Ça va être moins 1 parce que pour la version Mastering for iTunes, ce sera ça. Pour la version normale, je vous dis, je monte à 0,3. Si je vous fais écouter un peu ce que ça peut donner. Donc, on va se retrouver. Vous voyez, je suis quand même relativement large, d'accord Alors, il ne faut pas être trop large non plus, hein, parce que le but n'est pas de... Parce que si je mets un limiteur, mais que c'est juste pour, euh, pour faire joli sur ma chaîne, il n'y a pas vraiment d'intérêt. De... Mais le but, c'est de s'en servir, enfin, personnellement, moi, j'estime que le but, c'est de s'en servir euh, le moins possible, que ça devienne protégé et non pas écrasé, d'accord c'est-à-dire en gros que vous n'ayez pas un master en mode cubique, d'accord Mais que vous voyez bien là la dynamique. Euh, quand je regarde ici, on voit quand même de la dynamique. Et je suis sur un master en dessous. C'est le mix que la, le mixeur avait fait, d'accord euh, Donc issu en gros des, des, euh, des stems que vous avez là. Il m'avait envoyé aussi le tout track pour que je puisse vérifier certains équilibres, que je ne me fasse pas piéger euh, par les stems et que du coup je puisse éventuellement le cas échéant, rectifier les niveaux si jamais euh, si j'avais des, eu des, euh, si des soucis. Pardon. Donc voilà un peu la, la, la philosophie que là j'ai employée dans ce, dans ce stem mastering. Donc pour vous faire un récap très très rapide puisque tout ce que je vais vous dire là je l'ai déjà dit. Je pars des stems. Un simulateur de bande, un simulateur de console pour ramener le côté organique. Un EQ ici pour faire des traitements pour la plupart deux bandes passantes, passe au passe-bas ou pour rectifier certaines, certains petits points euh, de, de, de pression acoustique qui seraient un peu trop, euh, un peu trop euh, présents. Tout ça, ça sort par des sorties individuelles qui sont ramenées vers le sommateur qui sont envoyées donc dans le pair de 22-64 qui est branché analogiquement sur le master du sommateur. Tout ça est récupéré dans cette piste verte qui s'appelle mix dans lequel je rentre en premier lieu dans le Varimu, puis donc pour cadrer, pour arrondir et asseoir le titre, gluer les éléments les uns avec les autres. J'envoie ensuite dans les 1 a donc simulation de pool tech. Une autre compression, cette fois en mode MS, pour finir sur mon, tout simplement, sur mon euh, sur mon élixir, donc le, euh, le, le, le limiteur tropique de chez Flux. Ça, c'est cette config pour. Ce titre, mais après, il y aura des stem mastering où je vais utiliser le 2055 que vous pouvez voir là, le, euh, le, le massif-passif. Ce n'est pas parce qu'on a des bécanes qu'on les utilise toutes, tout le temps. C'est des bécanes sont adaptées à des, certaines utilisations et sont adaptées à un certain couplage. Voilà, Il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Voilà, ce n'est pas parce que la bécane est une bécane qui est cataloguée dans l'aspect haut de gamme. Que forcément elle va faire le taf sur cette situation là non là j'ai eu besoin que du varimu et en analogique et de l'EQP1A tout est OP derrière pour vérifier quand même que le travail est bien fait parce que quand même le but c'est de faire un, son travail correctement j'ai la possibilité d'écouter via la vocet tous les euh, j'ai la possibilité d'écouter en gros euh, plusieurs points j'ai ici bien sûr ma sortie d'eau c'est à dire la fin totale de la chaîne. J'ai ici en digital 1 la piste que vous pouvez marquer, voir marquer TTT, d'accord, pour Time to Talk, avec en sortie Ref. Pourquoi Parce que ça, c'est la version to track des stems. Donc, j'ai la possibilité de basculer entre mon master à moi et la version to track de son mix. Derrière, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème ou plutôt si jamais il y a un problème, ça me permet d'intervenir rapidement. Là, j'ai l'écoute, donc Analogue 1 pour moi ici, j'ai l'écoute du master, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort de ce master-là, avant même de rentrer dans la piste mix. Ce qui veut dire que j'ai plusieurs choix d'écoute, de, 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 plusieurs points d'écoute. Mon master perso, la version ref du producteur. Ici, l'Analogue 1. Cet analogue 1 qui est tout simplement le, la sortie du sommateur. Donc j'ai plusieurs points d'écoute et derrière, bien sûr, ici, Out 1 et Out 2, soit les éphirs avec le Sirocco, soit les avant pour tout simplement la euh, bah, j'écoute, je, je, voir, c'est un peu la simulation radio, hein, c'est-à-dire euh, comment ça, ça sonne quand il n'y a pas de grave et qu'il n'y a pas d'aigu. Parce que les, les avant-tonnes, on est à peu près sur 80, en bande passante, 90 Hz, 17, euh, 17 kg. Donc voilà. J'ai moi par contre sur les éphirs quelque chose de, qui est relativement bien. C'est que pour ne pas me laisser piéger non plus, ici vous allez dire, bah ok, tu es sur les éphirs plus le Sirocco. Mais j'ai une autre télécommande qui me permet de couper le sub de, qui me permet de couper le sub du, euh, du système pour dire... Voilà, je coupe le sub. Je n'ai maintenant qu'un système 2.0 plutôt que 2.1. Donc, vous voyez que les possibilités, les points d'écoute, les manières, les, les enceintes avec le sub, sans le sub, large bande, euh, plus, plus, euh, plus, euh, plus réduite en termes de bande avec les avant j'ai tout un tas de possibilités pour être vraiment sûr que le produit que je vais livrer correspond. Aux normes qu'on m'a demandé, la norme sur le digital notamment, et voilà, voir essayer de déceler le cas échéant s'il y a un problème ou non. Donc voilà un peu la, la philosophie que j'ai moi et, et les questions que je me pose en interne lorsque je fais du euh, lorsque je fais un, un, un STEM mastering. Donc j'espère que euh, ça aura vous, vous aurez quand même euh, bien compris la, la philosophie, parce que la philosophie est, je ne dis pas plus importante, mais aussi importante que les règles entre guillemets techniques qu'on peut expliquer. C'est-à-dire qu'une règle appliquée, donc règle entre douze guillemets, appliquée sans aucune vision derrière artistique euh, de, de l'étape, ça ne sert à rien. J'ai et en tête certaines règles et une vision artistique, et donc je choisis dans ma boîte à outils la meilleure combinaison possible pour pouvoir tout simplement euh, sortir le meilleur master possible pour les artistes. Maintenant que je vous ai un peu expliqué la, la, la philosophie que, que j'ai adoptée quand, euh, quand j'ai travaillé sur cette session et puis le routing, la manière dont j'ai euh, agencé les différentes étapes avec voilà, les, ce qu'il y avait sur les stems, ce qu'il y avait sur la piste qui récupérait le mix, etc., on va écouter bah, avant et après, sous-entendu, la version uniquement mix et la version master. Donc je vous fais écouter dans un premier temps la version récupération du du mix. Donc là, on était sur la version mix, d'accord C'était le résultat euh, que m'avait envoyé euh, l'ingé, euh, en gros, de, de son tout-track à lui. Hein. Donc, je vous en avais parlé, c'était pour me donner un référentiel par rapport aux, 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 aux différents stems qu'il m'avait euh, envoyé et pour, par rapport aux équilibres. Maintenant, je vais vous faire écouter, non plus donc, sa version à lui, mais la version master que, euh, que je vais livrer. You keep me at You keep me close, but never close enough To find myself afloat You keep me safe, you keep me warm Couldn't be tight, time to talk Don't wanna say too much Don't wanna speak too soon Not gonna overanalyze your destitute Not gonna lose my patience Not gonna lose my mind I will keep on reminiscing good things they take On repasse tout de suite rapidement sur la version mix. Je vous refais un switch. Et là, on va repasser sur la version masterisée qui lui a été livrée. bien la, là pour le coup la, la différence, alors attention, ne vous y trompez pas, euh, ne me dites pas, ah bah oui il y a de la différence, c'est une différence de volume. Non, c'est pas, on, on, on en a aussi déjà parlé, le master c'est pas qu'une question de volume, d'accord Bien sûr que le volume là est plus, euh, est plus important au, au, au final, mais on voit bien que l'assise même du, du titre est plus le, est plus le même. On a des basses qui sont légèrement plus profondes, plus assises, plus rondes, plus présentes. Euh, après, vous employez le terme que, qui, euh, qui, que, que, que vous préférez, mais on, on voit bien qu'il y a une assise qui a été faite sur, la, sur le bas du spectre. Je n'allais pas dire que la basse, mais sur le bas du spectre. Donc, on voit bien que on a, je vous dis, c'est la, la touche, j'allais dire, de, sur la table. On a, il m'a construit la table. Derrière, moi, je mets la laque, je mets le brillant sur ce qu'il a fait. S'il m'avait fait un mauvais mix, même en stem mastering, j'aurais eu soit du mal à faire un bon master, soit même j'aurais fait un mauvais master. Parce que, comme les anglo-saxons disent, shit in, shit out. Si vous rentrez quelque chose qui est mauvais, vous sortirez quelque chose qui est au mieux moins mauvais, au pire aussi mauvais, voire pire. Donc, voilà, le master est réussi parce que le mix est réussi. Et ça, c'est une chose, pour terminer, qu'il faut bien garder en tête c'est on verra au mastering. Ça n'existe pas. C'est on mastering, on verra rien. On pourra juste constater qu'on on est entre guillemets dans la galère et qu'on on va juste pouvoir récupérer des fois certains pots cassés et des fois même on va rien récupérer du tout. Et après c'est là que les conflits commencent à arriver parce que qui sait qui se fait taper sur les doigts. C'est l'ingé de master. Donc nous on ne fait que embellir ce que le mixeur a lui-même embelli de la prise. Donc en gros, si je peux terminer là-dessus, c'est Bonne prise, bonne prod, bon mix, donnera normalement bon master. On arrive à la fin de ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt sur deveniringesson.com.